Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce Vox Pop que nous réalisons en direct de Goma. Nous sommes d'abord rendus ici à la permanence de l'IDPS où nous voyons en tout cas les jeunes manifester une joie. 24 heures après l'atterrissage des avions de chasse à Goma, les avions de chasse qu'il faut bien sûr faire face, qui vont travailler si je dis comme ça dans les retours où se poursuivent des affrontements entre les FARDC et l'M23. Bonjour messieurs et bonne arrivée. Bonjour messieurs les journalistes, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de la radio Congo Live Télévision. Nous voyons en train de sourire, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a l'espoir, il y a l'espoir quand même. Les jours passés, tout le monde était inquiet, nous sommes envahis, nous sommes agressés. La MONUSCO avait dit que non, le FARDC n'est pas équipé, on n'a pas de munitions, mais quand même en voyant les deux avions des chasses qui est en train de survoler sur le sol congolais, on pense que demain le gouvernement va passer à l'étape supérieure et déclarer officiellement la guerre avec le Rwanda pour qu'on puisse quand même en découdre avec Kagame et ses acolytes. Le Rwanda balayait déjà aujourd'hui qui qualifiait de dénoncer qu'un avion congolais a survolé son espace. C'était d'ailleurs aux environs de 11h20. Mais lui, c'est militaire. Sur les sols congolais, ils sont à Rutshuru. Les militaires rwandais, ils sont ici. Donc, c'était un signe déjà. Ça doit déjà lui apprendre que nous sommes en train de venir. Il doit se préparer en conséquence. Ce qui est vrai, je ne vois pas l'impact de sa déclaration. Il peut dire tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut dire. Mais la communauté internationale est déjà informée de ce qui se passe ici, à l'est de la République démocratique du Congo. Et le gouvernement congolais a toujours chanté que c'est Kagame qui agresse la République démocratique du Congo. C'est pas Kagame, donc, c'est l'M23. En fait, non. Le gouvernement congolais a déjà conclu un rapport qui sont les terroristes rwandais. Parce qu'on est en train d'attraper les militaires rwandais sur les lignes de front, sur le sol congolais. Pour dire que nous, la RDC, on est équipés, on n'a pas peur de Kagame, ni ceux qui seraient derrière lui. Nous sommes préparés, nous sommes un État et nous allons en découdre avec l'armée rwandaise. Vous êtes prêt pour la guerre? Oh, c'est déjà prêt, vous avez vu ce qui se passe, c'est quand même. Vous avez quelques avions, trop de bruit sur les réseaux sociaux à Goma dans la rue. Oui, oui, il faut faire des bruits parce que même Satade a réussi, les Russes on a parlé. Mais chez nous, vraiment, on pensait qu'on n'avait pas, les avions de chasse. Mais avec quand même cette présentation, on comprend qu'on a beaucoup de choses qu'on n'a pas encore étalé. Et ce n'est pas encore fini parce qu'on a d'autres choses qu'on ne veut pas exposer devant la place publique parce qu'on va les sortir lorsqu'on va commencer à en découdre avec Paul Kagame. Il doit aussi se préparer en conséquence. C'est pour quel pays ces avions? C'est pour nous, c'est pour la RDC. Oh. Quel que soit là où on a acheté ça, mais quand même on est potentiellement riche, facilement on peut donner l'uranium, on va nous donner. Vous n'avez pas pris ça à location? Non, pas à location, c'est pour nous. Oh. Oui. C'est pour les FARDC? Oui, c'est pour. Et d'ailleurs, je profite aussi pour vous montrer que l'armée congolaise est en train de monter en puissance. À l'époque de notre prédécesseur Kabila, dans leur budget, il y avait le budget de l'armée congolaise, il y avait 300 millions. Mais aujourd'hui, c'est 1 milliard quelques de dollars, c'est quand même quelque chose. Facilement, les FARDC peuvent se payer l'avion de chasse. D'accord, je vais vous garder, mais en attendant, je vais tourner ma caméra. La Sungumusa na wakaji wa Goma naona wanashimama hapa wakitizama sijue. Jambo kaka. Jambo sana. Maoni yako ni nini? Tunaona ndege za kivita zimefika mjini Goma ili kupiganisha waasi wa M23 kutoka huko Rutshuru. Unasema nini? Mais c'est tout à fait normal. Russie l'a fait lorsqu'il voulait se battre avec Ukraine.
Bali, on est chaque fois à Paris, qu'ils ont les moyens militaires pour faire face à toute éventualité. C'est pourquoi l'armée congolaise aussi doit faire cela. Donc, nous avons les moyens déjà. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, mais c'est qu'on ne peut pas tout dire ici sur la caméra. Donc, il y a d'autres. Donc, ça, ce n'est que. Les échantillons. Donc. Il y en a. Donc, la RDC d'ailleurs, est-ce que les Rwandais vraiment peuvent résister avec nous? Mais les Rwandais protestent déjà. Hein, grand frère. Ils disent d'avoir que les avions congolais ont violé leur espace aérien. Hein. Mais c'est tout à fait normal. Il y a combien de Tutsis qui ont violé l'intégrité territoriale, qui ont traversé la frontière pour venir nous agresser? Combien de Tutsis qui sont à Rutshuru? Ce ne sont pas des rebelles, s'il vous plaît. Non, ils sont des rebelles, des terroristes sur le sol congolais qui endaient nos familles chaque jour. Donc il faut comprendre que si nos avions de chasse ont fait cette démonstration, c'est-à-dire c'est un signe précurseur qui montre au Rwanda qu'il se prépare. Celui qui veut la paix prépare la guerre. C'est-à-dire, ils doivent aussi se préparer en conséquence. Qu'ils démontrent aussi les moyens qu'ils ont. Qu'ils démontrent. Mais vous êtes un taximen. Oui. On a vu des jeunes se mobiliser à Goma pour rejoindre les forces armées de la RDC. Pourquoi pas vous? Bon, moi d'abord, vous savez, je regrette pour n'avoir pas participé, n'avoir pas été allé enregistrer là-bas. Pourquoi? Parce que j'ai une famille que je dois prendre en charge. J'ai vu quotidiennement au taux du jour. Je ne peux pas aller m'intégrer dans l'armée et laisser la famille dans la rue. Je ne peux pas le faire. Mais au nom de la patrie. Mais au nom de la patrie, oui. Je peux envoyer mon petit frère. Malheureusement, je n'ai plus de petit frère qui peuvent être éligibles. Merci. Dans l'armée. On reviendra au PDF. Kaka. Kuna maoni gani na wewe? Tunasikia ndege za kijeshi zimefika Goma. Nafurahi sana kwanza Felix alikuwa ashatuchelesha. Jusi wenyewe tulikuwa tushaanza jikamata charge kuvuka Kisenyi mpaka Kigali ndani. Kwa sasa hiyo ndege ya kivita inafika, tunafurahi sana kwani itapita Yulu nasi tunapita chini. Tunafurahi sana na hapa deja tushaanza sensibilisation yetu ya wajeune. Meme motare wote wako waenda. Hatujali oh, juu niko responsable. Hapana, tuko napenda tugomboe udongo yetu kidogo, wameisha vamia pale pembeni ya Rutshuru. Sasa kwa nini hauende wewe kwenye? Tunaona hiyo ndege zikia sio hiyo. Kwa nini sasa wewe uende kwenye jeshi la Kongo? Mie deja nishajiandikisha. Meshaenda? Ndiyo nishaenda na inabakia tu kubakia kujifunza. Apre inabakia na mimi najua hiyo kazi. Ni kitu gani ambacho kimekusukuma ili uende kwenye jeshi la Kongo? Nasirika sana kuona jirani miaka na miaka yeye anatusumbua. Meshia tu ya msumbuaka. Tunaona trose tu jirani anatuzoea. Sasa. Ni jirani tu mimi nafaa heshima kuheshimiana kamema. Alisha tuzoea miaka ya kutosha. Yeye ndio tunapendaka vamia udongo wetu. Mimi hatu ya vamia kama hii mwezi. Ubia hii mwaka. Tunamufika kwa Marava sasa. Haya, tutarudi kwako tena. Tunaona watu wengi waki Deja qui suivent? Oui. Ah, tutaongea hata na nyinyi. Oui. Ndego. Boni. Malamu. Ah. Tout va bien? Tout va bien. Ozana maloba. Liloba zali? Vas-y. Otuni nini? Bon, tomoni bavion de chasse. Ils sont déjà à Goma. Je dirais même il y a une célébration totale dans la rue de Goma. Pour vous, ça vous dit quoi? Bah avion de chasse et na Goma. Na koki koloba eza mikolo mingi na génération toza nango. Bah ebi avion de chasse te pona bitumbe zala ki nango te. Mais ba avion de chasse zala kanango kaka. Na kati ya ministère ya Congo, ba avion de chasse zali. Donc eza ko somba te ou bien eza ya sikate zala kanango. C'est ça ba congolais. Eza ba congolais. Soki mboka po ebanga ma mboka po ezala mboka, il fallait bazala na munition na bango o ya défense. Donc les munitions de défense ezana ba enjeu différent. Ezana ba enjeu artillerie, ezana ba avion de chasse. Donc munitions de défense ezala kanango soki batu ba sepeli. Donc,
Donc, na génération toza nango, eza lokola eza eloko ya sika. Mais oyo eza lakanango kaka. Ça vous a un message nini à côté sa président Tshisekedi commandant suprême. Message ya kopesa président Nabiso son excellence Félix Tshisekedi et ça message ya ko encourager na ba diplomatie oyo et so mais ma politique Nabiso liboso na mboka Nabiso na politique et tokoki ko avancer grâce ya président Nabiso yenda soti la biso diplomatie oyo ba congolais nyoso bazo sepela nango na lobby merci. Courage Koutou, Yamakasi pour le président Nabiso. Merci beaucoup. On reviendra peut-être auprès de vous. Oh. Kaka, jambo mzee. Jambo sana. Tuambie, na wewe, una kitu gani unataka ongezea? Mimi naongezea courage ya basoda yetu, pambane, watonishi ya tushi ya hii maviozi zimefika hapa Mugoma. Kwa kuona wana na muna gani? Mie tunadevisha wale maadui wako ndani ya pori ya Kongo yetu. Sasa wewe unataka amani au unataka vita? Si tu vita mpaka ikuwe amani. Amani ni bila vita ni bure. Ume kuna kuwa vita njoo kukua amani. Asante. Alors mesdames et messieurs, nous vous proposons ces vox pop que nous réalisons dans la rue de Goma. Et comme vous pouvez le constater, il y a des habitants de Goma qui réagissent par rapport à l'arrivée des deux avions de chasse que vous avez certainement vu à travers les réseaux sociaux. Donc on est là, ce sont leurs points de vie qui engagent ces habitants. Nous on est là pour vous transmettre en temps réel ce qui se passe. Alors nous sommes avec un autre taximen qui a envie aussi de s'exprimer. Baba, vipi kwani? Ni safi baba. Sasa tunaona una kicheko mdomoni mwako. Kwa nini? Nina kicheko kwa sababu tulipata habari tangu hiyo jana kwamba rais ameambia chef d'état major général kwamba a mettre ma batterie zote en marche aziactive kusudi tuweze kutrake bale venye bako na tukosesha amani kila siku. Watu gani? Bo unajua mimi nilikomalia huko kwenye village. Alors tangu tuko ku village watate yetu tangu zamani walikuwa wanatuambia kwamba Rwanda bali watu ya Rwanda banyarwanda njoo wanatutesaka huku wakati walikuwa habaya fikaka huku tulikuwa tuko na amani. Alafu tunafurahi kwamba rais mwenyewe amerekonete ile ke unajua rais bote mwenyewe alipitaka hakuna mwenyewe alikuwa kashaka onesha kama Rwanda juu mwenyewe anatutesaka. Sisi tulikuwa tunaongeaka huku chini chini si population Rwanda inatutesaka Rwanda inatutesaka lakini rais alikuwa hayaongeaka ile kitu. Alafu tulifurahi kwamba rais naye amerekonete ile na anaanza onesha mwenzake kwamba naye iko tayari kuhamisha vita yenyewe ilikuwa mkongo yamie na kwake yani apate na ile uchungu yenyewe na sisi tunapataka. Unajua kama wewe kufisha mtoto hawezi jua kama uchungu ya mwenye alikufishaka mtoto inakuwa na muna gani. Sasa na ushauri gani ambao unaweza tumia watu wa Rwanda? Ushauri wangu kwa watu wa Rwanda ni kwamba rais wetu ni rais mzuri sana. Rais nani? Rais Felix Tshisekedi. Sasa watu wa Rwanda ni raisi, mzuri. Ni rais mzuri sana na muna gani? Na Rwanda kwa sababu mzuri lakini chunga kwanza. Ni rais mzuri sababu gani? Sababu yeye alikuwa wazi tangu mwanzo. Hakuna enji yoyote ambayo aliwahi kutafuta nayo kupigana au mihali yoyote. Yani yeye alikuwa wazi. Mwingie mkuye, mbebe kidogo na si kidogo. Kidogo na nyie kidogo. Lakini wao hawakutosheka. Alafu ile ndio tatizo. Ubaya wao wanataka wakamate vyote. Ni kama vile wanaweza kukupatia plan ya mchele lakini wao wanataka wakupatie mara moja chungu nzima. Ile ndio tatizo ya watu wa Rwanda. Alafu kwangu ushauri wangu Kagame yeye angefanya jitihada zake zote ambembeleze Tshisekedi kwamba warudilie kule kwenye walianzia ka tena mambo ya vita yaishi. Ndio njoo maoni yako. Ah njoo maoni yangu. Merci mesdames et messieurs, vous nous suivez en direct et en exclusivité. Alors monsieur Spar, réponse vient. Il est ma bourre. On est toujours avec vous ici. Il est bourre, je suis trop. Alors vous avez suivi les communiqués du Rwanda.
qui dénonce la violation des avions congolais dans son espace. Qu'est-ce qu'on peut craindre dans les jours à venir si rien n'est fait? En fait, nous n'avons rien à craindre d'abord, seulement qu'ils ont violé le Congo depuis 1996. Le Congo est violé par les sujets rwandais. Si aujourd'hui, quand même, nous aussi, on peut faire quelques gestes, c'est pour montrer aux Rwandais que même si on s'est dit pendant toutes ces années, ce n'est pas parce qu'on n'a pas quoi faire. Le chef de l'État leur a parlé que soit la paix totale, soit la guerre totale. Pour dire, messieurs les journalistes, que nous sommes en train d'aller, on va bientôt là, déclarer la guerre entre nous, la RDC, et le Rwanda. C'est ce que nous sommes en train d'appeler au chef de l'État de faire vite, de déclarer cette guerre parce qu'il y a les sinistrés, les réfugiés que les M23 ont délogés, qui sont en train de souffrir. Et comment vous commentez cette déclaration du général Muhoozi, qui est le fils de Museveni? Il a dit, quant au M23, je pense qu'il est très très dangereux pour quiconque les combattre nos frères. Ce ne sont pas des terroristes, ils se battent pour les droits de tout en RDC. Monsieur Muhoozi, ça vous dit quoi? En fait, nous on prend acte d'abord, nous sommes un État, on sait qu'ils sont complices, ils sont en train d'appuyer le M23, comme il vient de déclarer ça officiellement, c'est bien. Je lui lance un message pour lui dire que la RDC a pris acte de son message. Nous, on n'a pas peur de régime dictatorial parce qu'on va les déboulonner. Oui. Et est-ce que vous ne voyez pas que nous tendons vers la guerre RDC, Rwanda et Ouganda? Oui, nous allons... Qui sera aux côtés de la RDC? Exactement. Les partenaires du Rwanda, c'est l'Ouganda officiellement, c'est déjà connu. Mais nous autres, on a nos partenaires, on ne veut pas les parler, mais l'armée Congo... Et d'ailleurs, en mettant les deux pays entre le Rwanda et l'Ouganda, la RDC, sur le plan démographique, la population congolaise est beaucoup majoritaire que celle de l'Ouganda et du Rwanda. Pour dire qu'on n'a pas peur de l'Ouganda et du Rwanda, on va combattre les deux pays et la RDC sera le meilleur gagnant. Avec quelle force que la RDC a? D'abord avec les avions de chasse, avec l'armée congolaise, avec les chefs de l'État, c'est beaucoup. Ce sont les secrets d'État, on ne peut pas parler. Avec cette population déterminée à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo et les chefs de l'État, on pense qu'on va vraiment, les Rwanda et l'Ouganda ne peuvent pas nous vaincre. Un petit message à Lingala, aux gens à Malobanini, à Koloba, par rapport à Bavio de chasse, au Tomoni, depuis hier dimanche, à Goma, Tomoni, d'ailleurs, c'est maté, sont en train de survoler la ville de Goma, ça vous dit quoi? Hello, Koya Liboso, Nazo et Bissa, Bandeko Nabiso, Ba Congolais, ici, Gagnoso Bozali, Ba Goma, Trasie, Ba Na, Sengo, Makasi, Kaka, Gomona, Ba Vio de chasse, Oye, Nagani, Sike, Bangonyo, Sobalobi, Ba Sima, Ya Fachi, Kaka. Yango kaka message to pesi to sepeli ndenge équipement ici est komi nous avons yebi sa chef d'état major ya armée na biso Chiwewe a lancé Mbalamoko ba opération to silisa ba M23 to renverser pe régime ya Kagame na ya Museveni bango ba otiela mokonzi ya mboka Fachi Beto Tembe mais na yebi ke to silisa bango to za déterminé ba congolais bozala na kimia malgré que toi na ba réfugié ba uti na ba Rutshuru Bunagana mais avec nini ba vieux de chasse vraiment na ko rassurer bino moral les zongi sous ce pas ya peuple à Nord Kivu toza mobilisé toza sima ya FRDC bo bangate vraiment trahison et kozalande mo konzia mboka uti ko yebisa biso jeunesse ba kende na armée eza na ba misusu ba kende biso petos créer ba groupe ya vigile à ça la vigilance na kati ya quartier c'est pas ma milice te ya ba ministère eza ba groupe ya milice poto kengela mboka yango eza na kati ya constitution ce que tangi na article 63-64 eza na kati ya constitution tozo appliquer biloko eza na kati ya constitution na biso yango na zaiko ebisa ba congolais bo bangelo kote biso nde tozaki bato ya kobanga biso nde toza en danger mais faso
sole leo toza mo, toa na moral, toa na moral ya kusakana te. Tosepeli na mokonzi ya mboka, tosepeli komportema ofar desi ya za kuafishe kuling, na ling de frokuna, traizo ezate, kaka peple toa sima na bango, tosengi pe bino boza la sima ya arme, na epsa ka bino biloko wana mikolo nyoso. Fachi beto aza o merite soutien ya tous les Congolais de père et de mère pénant. Merci. Fait de ces Vox Pop, mesdames et messieurs, que nous avons réalisé en direct de Goma. Vous l'avez aimé, merci. Abonnez-vous sur notre chaîne Congo Live Télévision. Je vous fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.